Bonjour tout le monde. Je vais vous montrer une petite astuce que j'ai découvert, donc tout simplement avec du vinaigre blanc, 14 degrés, une bouteille et une pierre. Donc tout simplement, je vais découper la bouteille en deux, vous voyez, tout simplement avec un cutter. Ensuite, la bouteille, ben, je vais mettre mon vinaigre blanc à 14 degrés. Et la bouteille, maintenant, je la mets au milieu des liserons. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de terre autour ben, pour qu'elle soit stable, hein, au cas où, si jamais il y aurait un peu de vent, ou alors un chat, ou peut-être un hérisson qui viendrait se mettre à côté et puis qui ferait la ferait basculer. Ce que je fais, c'est que je mets toujours un petit peu de terre. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets mon liseron. Donc je le mets tout simplement dans la bouteille, dans le vinaigre. J'ai mis uniquement ça, hein, du vinaigre. Le liseron, ce que je fais, c'est que j'essaye de l'étaler pour pouvoir voir où il y a les départs de liseron. Parce que des fois, ils sont encrémêlés les uns les autres et on n'arrive plus trop à voir où est le départ. Ce que je fais, c'est que je fais une belle pelote et je les mets dedans. Et la bouteille, je la mets aussi de manière stratégique, c'est-à-dire que je la mets là où je peux mettre plusieurs départs de liseron. Tout simplement. Donc là, ce que je fais, c'est que je vérifie toujours s'il n'y a pas d'autres départs. Et puis après, ben, je renouvelle l'opération. Maintenant que j'ai mis mon liseron, ben, je vais mettre le dessus de la bouteille. Hein. Je le mets à l'envers. Et pourquoi je le mets à l'envers? C'est parce que moi, je mets toujours une petite pierre. Ça fait des années que je fais ça. Ça fonctionne bien avec le vent, comme je vous disais, avec les chats qui passent. Jamais de soucis. Donc là, vous voyez que ben, le liseron, ben, il commence déjà à crever, tout simplement. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de m'encourager, ça me ferait plaisir. Si vous avez des commentaires aussi, des idées, des questions pour faire d'autres vidéos, salut!